la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Voilà, regardez les pieds polis de ça. Regardez comment la nature peut être autant généreuse. Je vous rappelle que les pieds sont l'odeur du poisson frais. It smells like fresh fish. Regardez. Quoi? Wow. Oui, je mets sur ça. Mais. Oh! Yeah. Voilà. Attends. Oh, oui. Ah, tout ce qui est naturel est bien. Regardez, tout ce qui est naturel est bien. On ne jette pas, les amis. Regardez-moi les pieds de ça. Tout ce qui est naturel est bien. Hein? Ne touchez pas, non. On laisse qu'à l'intérieur, non. Voilà. Donc, nous avons tamisé ces pieds ensemble avec vous. Après ça, j'ai été très occupée. J'ai payé certains enfants de m'aider à continuer à tailler, à trier. Regardez. J'ai payé certains enfants de m'aider à continuer à trier ces pieds. Et aujourd'hui, nous en sommes au niveau où nous allons utiliser ces pierres pour la décoration de la devanture ici. De sorte à ce que le matin, Suzanne pose ses pieds sur les pieds polis. La sensation de ça. Oh my God. Ouh, ça... Voilà, qu'est-ce que je disais? Donc, on va habiller ensemble avec vous notre devanture avec les pieds. Vous allez voir comment on va le réaliser. Je vous mets une image ici pour que vous voyez d'où est-ce qu'on s'est inspiré pour en arriver là. Et on dit tout concours ou bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà. Ah, je crois que ça va être une très belle vidéo. Et voilà. Bon, on ne trie plus, ça va. Vous allez jeter les cailloux là. Il y a d'autres qui ont vraiment des jolies formes. En tout cas, ceux qui ont vu la vidéo où on triait ça, les jolies couleurs. C'est pas les cailloux, c'est on a commencé à laver, on a mis. En tout cas. As-tu la boîte? Venez, la famille, je vais vous montrer quelque chose. Laissez la famille, laissez les enfants. Venez. Pascal, que tu laisses. Ne touche plus. Je vais vous parler de ce bombe. Bombe des classes spirituelles, regardez. C'est quelque chose de très bien pour la peau. Donc voilà. Voilà la texture. Donc c'est un mélange beurre de cacao, beurre de karité, beurre de huile de ricin. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, je vous assure. Ça sent les odeurs pures. Il n'y a pas rien de chimique à l'intérieur. Tout ça est naturel. Donc, il n'y a pas qu'on met le parfum chimique là pour gâcher le côté naturel de la chose. Mais c'est bien. L'équilibre avec les ingrédients. Le parfum de l'huile de Niger, un peu de beurre de cacao. C'est juste incroyable de voir à quel point est-ce que la nature a tellement de choses à offrir à l'être humain. Donc là, la coloration... Comme vous voyez là, c'est la couleur du beurre de cacao karité. On a les nîmes aussi à l'intérieur. C'est ça peut-être qui donne un ton un peu verdâtre comme ça. On a aussi l'huile de ricin. On a encore d'huile nigel. On a encore beaucoup d'autres huiles hein, qu'on a mis à l'intérieur. Et les huiles qui ont beaucoup de propriétés. Donc, quand la peau absorbe cela, ça permet de rajeunir la peau. Ça permet de donner de l'éclat à la peau. Et à l'intérieur, il y a les extraits de plantes. Les extraits de plantes qui ont le pouvoir de protection, de nettoyer l'aura. Vous savez, Dieu a dit, lavez-vous avec les feux d'hysope et vous serez blanche comme neige. Dans notre pack d'éclat spirituel, ça contient cette huile, ça contient le savon, ça contient la pommade. Donc, même si vous traversez un poison mystique, ça fait retour à l'envoyeur, ça ne rentre pas en vous. Même si, c'est-à-dire, peu importe le problème que vous pouvez avoir sur le plan spirituel, le pack éclat spirituel, vous aide à retrouver l'éclat dans tous les sens du thème, ok? Si vous avez les toiles d'araignée, là, votre vie ne marche pas. En fait, les choses sont bloquées. Souvent, on peut en souffrir sans jamais savoir que ce dont on est en train de souffrir, là, il y a des gens quelque part qui ont mis la main dessus, sur le plan spirituel. Peu importe ce que ça pourrait les coûter.
en disant que accoucher alors on voit. Soyez alors en bonne santé, on voit. Soyez alors heureux, on voit. Voyager alors on voit. Mais c'est quand même terrible de voir à quel point travailler alors on voit. C'est toujours important d'utiliser les choses que Dieu a mis dans la nature pour l'équilibre de votre bien-être sur tous les plans. Ça brise les liens. Même si on met quelqu'un dans la bouteille, quand vous lavez avec le savon des classes spirituelles, pendant 9 jours seulement, le 10e jour, la bouteille va s'exploser. Les libérations vont se faire sur le plan spirituel incroyablement efficaces. Il faut avouer que Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu a mis tout dans la nature. Le fait toujours avec des prières. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui met toutes choses dans la nature pour le bien-être de l'être humain. C'est juste incroyable. Vraiment. Voilà le numéro de WhatsApp à l'écran. Le kit, le prix du kit, c'est 85 000 francs CFA. Le prix unique. Donc contactez-nous. Vous pouvez utiliser ça. Définitivement comme votre huile de la peau, le savon, pour rester toujours comme ça, au top de top. Et le savon aussi, c'est fait d'une façon très traditionnelle aussi. On peut aussi l'appeler savon noir, mais avec beaucoup d'extraits aussi à l'intérieur, beaucoup d'éléments qui... Ah, quand je vois tout ce qui est dedans, et que je vois la grâce que Dieu a mis en l'être humain, d'avoir tout dans la nature, je dis seulement merci à Dieu. Voilà, la famille, ce qu'on va faire, vous avez vu, le spécialiste a tracé d'abord les 10 ans qu'il va représenter au sol. Ensuite, maintenant, il va venir maintenant poser les pierres pour designer. Et ça va être une vidéo très enrichissante, je vous assure. Donc, restez bien scotché et on se retrouve à tout à l'heure pour la suite. Trop bien secret, venez, venez. Du bon. Tu veux boire le vin blanc? Oui, attends, je cherche le gobelet. Je mets ta balle dedans. Voici le gobelet, mon bébé. Du bon vin blanc au noir. Du bon vin de raffia fraîchement vigné. Je ne saurais comment vous expliquer à quel point la nature est généreuse. Si je vous dis certaines compositions de remèdes dans lesquelles la présence de ce vin de raffia à cet état, on presse avec, aussitôt on boit. C'est juste incroyable. Hein? Le vin blanc ici que vous voyez là, si vous avez peut-être un mal, que ce soit au genou, que ce soit au niveau de la cheville, que ce soit dans une autre partie de votre corps, et que c'est un mal qui est bizarre, qui est genre, peut-être vous, pendant que vous avez rêvé, que c'est arrivé, et en même temps, vous êtes réveillé avec le mal et que le mal persiste. Vous faites la composition du remède qui va briser toutes ces chaînes mystiques qui ont mis certains mal dans certaines parties de votre corps. Je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui avaient certains problèmes de mal. Patience, bébé, bois doucement, Donc, des gens qui ont... Comment on dit ça? Je m'entends encore. Donc, comme je vous disais tantôt, qui avait certains mal. Et quand je réalise le pouvoir que Dieu a mis dans les éléments de la nature, je ne saurais comment est-ce que je vais vous expliquer. Donc Dieu, pendant que dans le traitement, le vin blanc, si on mélange avec d'autres ingrédients encore. Oui, ça va. Je ne sais même pas où est-ce qu'on en était. La famille, on se retrouve à tout à l'heure parce que... Oui, mais alors pour moi. Merci. Quand il a fait la chute, je vous ai dit que je peux vous placer. Il est en train de dormanter. Comme il a vu son petit frère diminuer, il dormante encore. Et les enfants. Donc, qu'est-ce que je vous disais tantôt? Oui, que le vin blanc entre dans la composition de beaucoup de remèdes. Quand vous avez le bon vin blanc comme ça, vous voyez quelque part, buvez seulement pour vous sur ça. Buvez, je dis bien, buvez autant que vous pourrez. Et
au fur et à mesure dans mes différentes vidéos, vous savez que les sujets qui ont très un peu à voir avec ce que j'aborde, ce sont des sujets très tabous, très sensibles, parce que la grande majorité des gens qui peuvent regarder peuvent ne pas vouloir qu'on donne trop de secrets. Ou c'est un peu comme ça dans le monde en fait. Il faudrait que les gens restent dans l'ignorance pour que les autres puissent se puiser de leur énergie. Vous voyez un peu, je ne sais pas comment je vais expliquer ça mieux. Mais en tout cas, vous avez vu le pack éclat spirituel que je vous ai présenté. Commandez d'abord ça, commencez à utiliser pour vous, pour libérer les choses et vous protéger. Et on reviendra avec les secrets de plus en plus dans les différentes vidéos afin que vous puissiez faire certaines choses de vous-même à la maison, ok, la famille. Likez la vidéo si vous n'avez pas encore liké, commentez, surtout partagez. Je prends le temps de boire mon vin de raffia. Je donne un bon tété au bout de chou. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des travaux. Nous avons eu un problème de lumière au quartier parce que nous n'avons pas encore installé les plaques solaires. Vous avez été nombreux à nous recommander les plaques solaires dans les vidéos, mais on s'en est rendu compte que c'est donc la meilleure des solutions qu'il faut, surtout dans un village où nous sommes comme ça. Donc de ce fait, il y a eu problème de lumière et du coup, l'eau n'a pas rechargé dans le cubiténaire parce que la pompe qui est dans le puits, dans notre puits aménagé, est alimentée par une machine qui est électrique. Quand il n'y a pas la lumière, pendant un long moment, l'eau, les 5000 litres d'eau, quand on l'épuise, on reste sans eau. Donc, ils ont tout tracé comment ils vont mettre les pierres. Comme il n'y avait pas de l'eau, ils sont donc partis en fait. Ils sont partis, mais ils ne sont pas loin. Parce qu'ils viennent de très loin pour venir vivre ici et réaliser les travaux après repartir. Donc, ils sont juste dans les environs. Là où ils dorment, c'est pas loin d'ici. Là où on les fait dormir, je vous l'ai dit. Donc voilà, je suis allée ouvrir dans le compteur de l'eau de l'État pour qu'on ait la deuxième. Ça va, parce qu'on a, quand on n'a pas notre eau, la famille, excusez-moi, je disais tantôt, quand on n'a pas l'eau du puits à cause de la lumière, on ouvre l'autre. On avait pensé au début annuler le contrat avec eux, mais là je réalise que ça devait être une erreur. Parce qu'on paye les frais d'entretien du compteur chaque mois, même si on n'utilise pas. Mais voilà ça qui est en train de nous aider dans les circonstances où on a urgemment besoin. Et quand on coupe la lumière, si ça dure beaucoup, ce n'est pas bon. Maintenant, j'ai parlé ici. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à bien parler parce que j'avais envie de vous parler un peu de cette plante. Et par la même occasion, je vous parlais en réfléchissant. C'est ça qui a fait que j'ai perdu les mots. En réfléchissant, est-ce que je vais vous parler de tous ces bienfaits ou est-ce que je ne vais pas vous parler de tous ces bienfaits? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà quand même cette plante et on reviendra un peu plus en profondeur dans d'autres vidéos, ok. Donc cette plante, elle monte jusqu'à un certain niveau. Donc dites-moi si vous connaissez le nom dans les commentaires, ok la famille. Regardez très bien, observez très bien la plante. Observez très bien la plante et on en revient dans une prochaine vidéo. Ce que vous voyez à côté là, c'est le mangoustan que j'ai semé, ça c'est le mangoustan. Et ça c'est le papayer. Ça c'est le papayer et j'ai aussi un autre plant de mangoustan là-bas. Autour de ce mangoustan, il y a certaines herbes médicinales qui ont poussé. Donc on va enlever ça ensemble.
plante qui a un goût sucré. Je ne sais pas si vous connaissez les bienfaits de ça. Mais c'est mélangé avec le pissenlit. Ça, c'est le pissenlit. Ça, c'est aussi une herbe qui est très riche en fer. Celui-ci. Et voilà, ce qu'on va faire, on va aller commencer à trier les pierres. En fonction de... Parce que voilà, le monsieur qui est revenu. On va aller trier les pierres. Et par la même occasion, nous avons des éléments pour réserver l'eau à la maison. Comme le petit cubitenet que vous voyez là. Quand j'essaie de voir mon mandarinier à côté qui a les bons fruits. La nature est incroyable. Il y a mon mandarin ici. Voilà les fruits, voilà les fleurs encore. C'est en train de produire. C'est juste incroyable. Hein. Ça fait plaisir de voir à quel point c'est en train de donner les fruits, les fleurs et tout ça par la même occasion. Donc voilà l'eau qui est en train de charger. On va utiliser ça pour travailler, pour les travaux, sans problème. Et on va aller donc commencer à trier déjà les pierres. Venez voir la famille. Il y a aussi mon oranger qui produit les fleurs. Voilà encore un autre dernier fruit qui reste sur le plan là-bas. Comme vous pouvez remarquer. Dans une des précédentes vidéos avec vous, on avait sucé ça ensemble. On avait dégusté ensemble. Il y a aussi le guayavier aussi qui est en train de... qui a des nouveaux fruits. Par exemple comme ça. Comme ici. Et ce qui me fait encore beaucoup plus plaisir, c'est le fait qu'on a déjà goûté à son fruit et qu'on sait qu'il est très délicieux, ce guayavier. Ses fruits sont très, très délicieux. Et l'oranger, quant à lui, les fruits sont très sucrés aussi. S'il n'y a que le mandarinier qu'on n'a pas encore goûté. Il y a ce que tu as mis devant là. Il faut bourrer celui de la devanture là, non? Comme la voiture va passer sur ça. Pourquoi ça, c'est un dérange, ça ne bouge pas. Attends, ma mère, va toucher ça, un an, ça. Non, pas encore. Okay. Et c'est bien, quand c'est un peu comme ça, c'est bien pour mettre les pieds. Oui. Mais quand on va trop bourrer, quand tu mets le pied, tu vas pas sentir, ouais. Tu vas pas sentir le... Comme c'est lisse là, la lisseur, vous n'allez pas ressentir. Ah ouais. Le professionnel dit que tu vas pas sentir le goût du caillou. Et ouais, ça a du bon goût, hein, je vous assure. Ouais, on va tenir un salissement quoi avec demi, un salissement avec demi salissement. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world fine? Please Lord give me a sign. A sign. No mercy in this world, just target thirsty persons. Invented versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Tu veux le maroc ou ménage avec le noir là? Ah ok, d'accord.
C'est le jaune. Mais c'est le noir. Ok, c'est le noir. La famille, vous avez vu, non? C'est important de demander aux spécialistes pour ne pas gâter dans son travail. Yes, parce qu'en fait, on met les sombres en part, on met les clairs à part et on met les sombres, ça veut dire couleur foncée, comme ça par exemple. Je sais pas, par exemple, on a certains verts comme ça. On a certains carrément plus sombres. Par exemple, ça, vous voyez. On mélange avec ça, par exemple. Donc, on ne met pas ici. Tandis que ça, ce qui est un peu plus clair, qui tend vers le blanc, on les met à part. Regardez, comme ça. Regardez. Voilà, parce que ça se ressemble tellement. On est embarrassé, donc je crois que ceci va par là. Ça se ressemble tellement. Moi, je me suis embarrassée. Ramasse ça. Oui, ramasse ici mon bébé. Tu mets ici dedans, d'accord. La famille, les pieds qui ont des choses beaucoup plus particulières, je les réserve pour moi-même pour faire les trucs particuliers dont je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Donc regardez ça, on dirait que c'est l'œuf du pigeon, n'est-ce pas? La forme, elle est tellement bien polie. La couleur est parfaite. C'est tombé. Voilà. Donc, je les mets à côté. Par exemple, comme celle-ci, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai des choses à faire avec. Hein?
La famille parle à la même occasion. Pas la même occasion, on a dit mal au coquille. Qui connaît le coquille? Hé, hey, coquille, banamu. Tchè, le pays. Ça va, bébé, ça va. Vous voyez ça? Mon bébé, tu veux te faire. Tu veux te faire. Vous voyez déjà le coquille que on a écrasé, on n'a pas trop écrasé, donc ça, on a écrasé pas trop. Et avec l'huile de bonne qualité, bien pimenté. Non, bon, quand je dis pimenté, c'est pas que pimenté trop exagérément. Mathilde, c'est trop bon. Va t'apporter ça. Et quand je fais un peu,